Salut tout le monde, c'est Azarat. Petite vidéo en cette fin d'année. Ça fait maintenant un an que je suis sur YouTube. J'ai commencé le 10 décembre dernier. Et en un an, il s'est passé beaucoup de choses. Ça fait un an que je suis sur YouTube et je ne pensais pas qu'autant de... Enfin, que ma chaîne allait prendre pour moi autant d'ampleur. Parce que pour moi, c'est énorme. Même si, bon, il y a des gros youtubeurs avec des millions d'abonnés, comme ça, ils baignent dans l'argent de YouTube. Non, mais moi, enfin voilà. Moi, j'ai peut-être pas beaucoup d'abonnés, mais pour moi, c'est absolument énorme. Donc, je tenais à tous vous remercier pour avoir été là pendant toute cette année 2014. J'ai donc décidé de vous partager mes statistiques pour voir un peu ce qui s'est passé sur ma chaîne en cette année 2014. Alors, tout d'abord, c'est 38 312 vues. Au total, avec 177 vidéos mises en ligne, donc ça fait plus d'une par semaine. Je suis pas très bon en maths. Ça fait plus d'une par semaine en tout cas. 1501 pouces bleus, 123 pouces rouges, dont 53 qui sont arrivés tous d'un coup en fait. Il me semble que c'était un ou deux mecs qui ont mis des pouces rouges à toutes mes vidéos comme ça. Donc 123 pouces rouges, 6766 commentaires, vous êtes des pipelettes, il n'y a pas d'autre mot, vous êtes des pipelettes, 6766 commentaires, étant donné que j'ai que 177 vidéos, ça fait beaucoup de commentaires par vidéo, quoi, quand on fait la division, 53 partages, donc merci à tous ceux qui ont partagé mes vidéos, je pense que vous avez grandement contribué à l'avancement de la chaîne. Il y a mon chat qui fouille. Eh hey. Donc 53 partages. Merci à tous. 14 favoris ajoutés. Je pensais pas que j'aurais des vidéos ajoutées dans les favoris. Bon. 500. Alors là, c'est écrit 569 abonnés dans mes statistiques. Mais je suis à 584 à l'heure actuelle. Donc merci à tous. C'est énormément de monde. Je m'attendais vraiment pas à ça. 584 abonnés. Je sais pas, j'arrive pas à réaliser que ça fait 584 personnes. Mais il y a peut-être des doubles comptes, etc. Bon, je préfère me dire que tout le monde, que à chaque fois c'est des personnes différentes, ça fait. Voilà. La vidéo la plus vue de ma chaîne, c'est ma toute première vidéo. Ma toute première vidéo sur Seven Days to Die, épisode 1, Jolie Bâtisse. Quand je regarde cette vidéo, ça me. Je vais vous remettre un petit extrait juste pour le LOLs. Salut tout le monde, c'est Azarat. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Donc, j'ai ouvert cette chaîne. Alors, ce sera une chaîne de multigaming avec différents let's play, playthroughs, etc. Donc là, on va commencer... par un petit let's play sur 7 days to die ou 7 days to die ou Wednesday Live comme vous voulez. Donc elle était vue 2206 fois, c'est hallucinant. Pourtant c'est loin d'être ma meilleure. Et ma vidéo la moins vue. Donc ma vidéo la moins vue, c'est l'épisode 5 de Fallout New Vegas. Parce que j'avais commencé un let's play sur Fallout que j'ai arrêté car la sauvegarde avait planté, etc. Et elle est à 23 vues. Elle a été ajoutée le 1er janvier 2014, donc ça va faire un an demain qu'elle est sur la chaîne. Putain, ça passe vite. J'en reviens un peu, j'ai l'impression que c'était hier. Et elle est à 23 vues. Donc vous voyez le contraste entre la première et la dernière, c'est hallucinant. Ouais, donc la plus vue, c'est ma toute première vidéo. La pire. la pire. Je vais aussi vous parler de mon nombre de vues moyen par jour, au début et maintenant. Ça aussi, c'est absolument hallucinant. Ça prouve que vous êtes important, vous êtes nombreux, que vous êtes venu petit à petit... sur ma chaîne et sur le groupe Gaming for Fun en général. Donc en moyenne par jour, au début de ma chaîne, j'avais 30 vues.
une trentaine de vues. Quand on arrive maintenant, je suis en moyenne à entre 200 et 300 vues par jour. Donc, c'est absolument hallucinant. Voilà, j'ai pas d'autres mots. C'est monté petit à petit. C'est hallucinant. Voilà. Alors, une grande partie, quand même une soixantaine de mes abonnés viennent de Bibix, qui m'avait filé un coup de main, donc merci à Bibix. 2014, c'est aussi la création de Gaming for Fun, de notre petite bande de potes, chacun à sa chaîne YouTube dans ce même groupe. On fait nos lives, nos vidéos ensemble. C'est aussi plein de rencontres avec les abonnés, des gens super sympas, avec qui maintenant je discute pendant des heures. Enfin voilà, c'était une super année, la première année de ma chaîne. Et je tenais à tous vous remercier pour votre présence. C'est extraordinaire. Et je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée. La dernière soirée de 2014. Passez un bon nouvel an tout le monde. Et je vous souhaite à tous une bonne année 2015. En espérant que ça continue comme ça. Merci d'être présent. Je vous le remercierai. Je vous remercierai tout au long de l'année. Avec des vidéos qui augmenteront en qualité au fil du temps. Parce que je commence à avoir un minimum d'expérience dans le montage, etc. Donc encore une fois, merci à tous. Et on se retrouve très vite en 2015 pour la suite de nos let's play, de nos séries, de nos lives, de nos zappings, de ce que vous voulez. Voilà. À tous. Bonne année 2015 et à la prochaine. Ciao.